Le PSG, le leader du championnat, accueille le Stade de Reims, 11e. Le PSG qui vient de gagner 7-0 contre le Pays de Cassel, une équipe de Régional 1 en Coupe de France. Paris devra aller à Marseille en 8e de finale. Reims s'est également qualifié pour la suite de la Coupe en battant les Herbiers 3-0. Reims jouera contre Toulouse au prochain tour. Les Rémois se présentent au Parc des Princes sur 11 matchs sans défaite, 4 victoires et 7 nuls. Ils espèrent poursuivre cette série. Le PSG se présente lui sans Nuno Mendes, Kimpembe et Mukiele. Mais Messi, Neymar, Mbappé sont bien là. Le PSG qui évolue avec son maillot sombre et qui essaye d'aller de l'avant. Mais Reims donne du fil à retordre aux Parisiens dès le début du match. Reims attaque, bonne possibilité au cœur de la surface. Et Donnarumma réussit à sauver face à Mounetzi. Encore une chance pour le Stade de Reims avec Yunya Ito. Et Donnarumma reste très présent. Les Parisiens n'arrivent pas à grand chose en première période. Le score est de 0-0 à la mi-temps. Marco Verratti de retour de blessure est lancé par Christophe Galtier à la pause à la place de Vitinha. Une seconde période dans laquelle les Parisiens espèrent bien accélérer. Et ils y parviennent sur quelques actions. Messi au départ de cette action s'est contré. Ça revient sur Neymar qui efface le gardien Diouf avant de marquer. 1-0 pour le PSG à la 51e minute. Neymar réussit à aller au bout de l'action pour marquer un but très important. C'est son 12e but de la saison. Le PSG semble prendre le match par le bon bout avec ce but. Mais attention tout de même à cette faute de Marco Verratti. Un carton jaune est sorti par l'arbitre. Mais la VAR intervient et après visionnage, l'arbitre change la couleur du carton. Carton rouge contre Verratti à la 59e minute. Il est entré à la pause sur le terrain. Il a donc passé un peu plus de 10 minutes sur la pelouse. Le PSG se retrouve à 10 et manque de peu tout de même de marquer le deuxième but en infériorité numérique. Sergio Ramos voit le ballon repoussé par la barre transversale. Les Parisiens contrôlent à peu près leur score de 1-0 jusqu'au bout. On se retrouve à la fin du match. On est au bout du temps additionnel. Follarine Balogun s'échappe et marque le but du 1 partout. L'énorme joie de Will Steele, le coach du Stade de Reims. Égalisation de justesse pour les Rémois qui ont eu le mérite d'y croire jusqu'au bout après 6 minutes dans le temps additionnel. Balogun marque le 11e but d'une saison exceptionnelle pour lui. C'était la toute dernière action car l'arbitre siffle la fin du match dans la foulée. Score final de 1 but partout entre le PSG et Reims.